Ouais. Bah, dis on est. Bah, chez moi, voilà. Château du directeur. Donc on n'a pas trop d'indications, malgré qu'à côté, il y a une usine avec ce qu'il faisait. Voilà, donc il reste 2-3 trucs, beaucoup de dossiers, quelques effets personnels, un peu de meubles. Puis après, je sais pas, on ira peut-être faire un tour dans les bureaux, on verra. Bon, tu me suis? Allez. T'en penses? C'est pas mal pour le moment. Ouais, les traces quoi, c'est Ça fait longtemps que c'est abandonné, tu crois? pas si longtemps que ça, je pense. Hein. Que c'est pas trop dégradé niveau plafond, les tapisseries, peinture, tout ça. Je sais pas du tout, donc bah, je dis que ça fait pas trop longtemps. Voilà. Il y en a partout. Donc, j'ai trouvé des papiers, date de 2006. On va voir si on peut en trouver d'autres. Mais je pense que ça peut correspondre à l'année de hop, 2007. L'année de fermeture, donc allez, 5 ans. 5 ans minimum, je pense. Bon, ben, château fini. Enfin, château. Résidence, on va dire. Direction bureau maintenant. Bureau, et on va essayer de rentrer dans l'usine, voir s'il reste quelque chose. Voilà. Rentrer dans les bureaux et les bureaux de nos accès dans les ateliers. Voilà, on va faire le tour, c'est assez vide, il reste 2-3 trucs, dont une gamelle de chien. Il serait déjà là, je pense. On y va?
assez sympa. Donc au début on pensait faire qu'un château. Donc il reste 2-3 trucs, on sait à peu près ce qu'il faisait. Ensuite il y a la partie usine, on s'est dit pourquoi pas, on était voir, donc on a pu rentrer dedans facilement. Dernier papier, on a retrouvé du 2009, et toi tu as trouvé un calendrier 2014, c'est ça qui est bizarre, vu l'état. Donc la suite pour un prochain épisode. Allez, salut!